Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 20 mars h euh, 2, non, plutôt 12h32, heure du Québec, avec de la pluie ici. Je, en Europe, je sais que vous allez avoir une vague de froid, préparez-vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que... On va tous passer à travers. On va, pour la plupart, traverser cette épreuve-là. Mais dans quel état on va se retrouver après, ça c'est une autre question. Je vous avais dit... Nos vies vont changer. Le système va changer économiquement, financièrement, gouvernementalement parlant, socialement parlant. Je pense que vous comprenez maintenant ce que je voulais dire. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en sécurité. C'est le plus important. Puis c'est aussi important de ne pas minimiser la. La crise actuelle, comme le font les têtes de l'inote, les Donald Trump de ce monde, en disant « Oh, c'est rien, c'est un hoax, oh, on a trouvé un médicament, puis on va donner ça à tout le monde. » Ils ne sont même pas capables, aux États-Unis, de donner des tests au monde. Ils n'en ont même pas. Le plus grand pays au monde, le plus riche pays au monde. Donc, comment ne pas à donner des médicaments qui sont classés déjà dangereux par la France? Ce fameux, cette fameuse chloroquine, quin, en tout cas. Parce que Donald Trump a comme pour but... A comme but par exemple, par, pardon, de minimiser cette crise-là parce que lui, il voit son élection s'en aller euh, vraiment euh, dans le fond du robinet, dans le fond du lavabo, pardon. Donc, j'espère que tout le monde va bien. On va passer une autre journée ensemble, voir beaucoup beaucoup de nouvelles, <laughs> si je peux le faire parce que je suis là à la maison. Et là, comme un malheur attend pas l'autre, vous avez une vague de froid qui s'en vient. Mais apparemment, la NASA nous prévient que deux astéroïdes pourraient provoquer une explosion atmosphérique sur Terre cette semaine. Quand je vous ai dit qu'il va y avoir une succession d'événements. Puis que c'est juste le début ça, c'est pas la fin de nos casse-têtes, c'est pas la fin de la remise à zéro, c'est pas la fin de la remise des pendules à l'heure, c'est le début. On va aller lire ça, ça a été envoyé par Max. Max qu'on salue, cousin français, très acharné au travail. Comme si 2020 n'était pas assez écrasante en plus du début potentiel de la seconde guerre mondiale, hein, parce qu'on a des crises partout des incendies massifs en Australie, de la peste acridienne au Moyen-Orient et en Afrique et du nouveau coronavirus. Nous avons maintenant affaire à plusieurs astéroïdes se, se précipitant vers Terre. L'un des astéroïdes pourrait même entrer en collision avec l'atmosphère terrestre provoquant une explosion atmosphérique. Ce soir, deux astéroïdes suivant l'orbite intersectée euh, ou intersectée de la Terre, appelés 2020 EF et 2020 DP4, approche de la planète et les informations recueillies par la NASA indiquent que les roches spatiales sont suffisamment grandes pour créer de violentes explosions dans l'atmosphère si elles se rapprochent trop de la Terre. Les astéroïdes sont étroitement, étroitement surveillés par le Center for Near-Ear Object Studies de la NASA. Selon un rapport DB Times, on estime que l'astéroïde EF-2020 a un diamètre de 98 pieds, ce qui le rend un peu plus long que la distance entre les bases de baseball en diamant avec une vitesse de 10 000 miles euh, par heure. On déclare que ce fameux astéroïde, euh, ce que l'on appelle un astéroïde Athènes, ce qui signifie que l'objet suit une orbite normale qui croise le chemin de la Terre. Le diagramme d'orbite de la NASA pour, deux, pour 2020 EF montre que l'astéroïde imite une orbite très large autour du Soleil et suit presque exactement le même chemin que la Terre. La bonne nouvelle est que la NASA indique que son diagramme que, que, dans son diagramme, que l'astéroïde aura plusieurs approches euh, euh, proches entre 2020 EF et notre planète, mais il ne nous frappera pas. Selon la NASA, en raison de leur taille, le Fe 2020 ne causera probablement pas un événement d'impact au lieu de cela. Il se brisera en morceaux s'il pénètre dans l'atmosphère terrestre. Cependant, cela provoquera toujours une explosion dans le ciel qui pourrait... Être dangereuse. La dernière explosion atmosphérique, vous, vous en rappelez, d'astéroïdes a eu lieu au-dessus de la ville de Tcheliabinsk en Russie, qui a produit un flash 30 fois plus brillant que le soleil et a causé 180 cas de douleur oculaire et 70 cas de cécité temporaire. Assurez-vous donc de ne pas regarder le ciel à l'œil nu comme vous ne devriez pas regarder directement le Soleil, peu importe votre curiosité, le DP-4-2020 arrive et provoquera un spectacle spatial similaire cette semaine, le 22 mars, à 14h36, par rapport à, à 2020-EF et 2020-DP-4, et beaucoup plus grand en diamètre, à 180 pieds de large et se déplace à une vitesse plus rapide, à 180, à 18 000, 000 par heure, alors que 2020-EF est classé comme un astéroïde Athènes, 2020 DP4, d'autre part, appartient à la famille des roches spatiales Apollo. Bien que les deux astéroïdes soient étiquetés différemment, ils sont connus pour couper l'orbite de la Terre, alors que notre planète contourne le Soleil. Alors qu'on nous dit qu'ils n'entreraient pas en collision directe avec la, la Terre, l'année dernière, la NASA et la Federal Emergency Management Agency du gouvernement américain ont participé à un exercice avec d'autres partenaires internationaux pour faire face aux astéroïdes qui pourraient constituer un danger d'impact futur. Donc, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme résultat ce, ce, ce soir et demain, je pense, mais il y a le risque. De voir ce qui est arrivé à cette ville russe. Vous vous, rappelez, vous, vous en rappelez, je pense que c'était en 2000, 2003 ou à peu près. On va aller voir. Je pense qu'on peut retrouver quelque chose là-dessus. Bougez pas. Le météore, bon. C'est ici. Ça y est, j'ai trouvé le lien. Et on ne l'avait pas vu venir, celui-là. Ça avait pris tout le monde par surprise. C'était le 15 février 2013. Euh, le météore de Chelyabinsk était un superbolide qui est entré dans l'atmosphère de la Terre au-dessus de la Russie le 15 février 2013. Elle a, causé, euh, elle a été causée par un astéroïde proche de la Terre d'environ euh, 20 mètres qui allait à une vitesse de. 900 000 à l'heure. En tout cas, il est rapidement devenu un brillant météore superbolique ré... euh, sur la région sud de l'Oural. La lumière du météore était plus brillante que le soleil, visible jusqu'à 100 euh, km. Il a été observé sur une grande partie de la région. En raison de sa vitesse élevée et de son angle peu profond, l'objet a explosé dans un éclatement au-dessus de l'oblast de qui à une hauteur d'environ 29 km. L'explosion a généré un flash lumineux produisant un nuage chaud de poussière et de gaz qui a pénétré et de nombreuses petites météorites fragmentaires suivantes ainsi qu'une grande onde de choc. La majeure partie de l'énergie de l'objet a été observée, absorbée par l'atmosphère avec une énergie cinétique totale avant l'impact atmosphérique estimé à partir des infractions et des mesures sismiques. Euh, on a dit que cette énergie était libérée euh, C'était l'énergie qu'on avait libérée dans la bombe d'Hiroshima, donc euh, vraiment, il y a eu des dommages, hein? euh, vraiment, euh... par cet événement-là, des gens ont été blessés, des résidents locaux ont vu l'objet éclater, et ça avait causé des dommages aux immeubles et euh, blessé plusieurs milliers de personnes, donc espérons que, c'est pas ça qui va arriver, mais... Ça a l'air que c'est ça qui va arriver. On n'est pas sorti de l'auberge. 2020, comme nous le dit ici Tyler Durden de Zero Hedge, comme si 2020 n'était pas assez écrasante, en hein, plus du début potentiel de la seconde guerre mondiale, des incendies massifs en Australie, la peste acridienne ak au Moyen-Orient et en Afrique, et de nouveaux coronavirus. Nous avons maintenant affaire à plusieurs astéroïdes se pré 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 précipitant vers la Terre. Donc, on l'avait dit, c'est pas fini, c'est juste le début. Attachez vos tucs, comme dirait ma mère. Le spectacle vient de commencer.